Salut tout le monde, c'est Arabelle. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des Sims 4 Castaway Challenge. Et oui, c'est la dernière partie, donc je vous invite à la regarder puisque ça sera la fin de notre aventure sur l'île. Ok, donc comme je l'ai dit, c'est la dernière partie, et oui. Pourquoi? Car je trouvais que ça commençait à être un petit peu redondant sur l'île. Donc j'avais vraiment hâte que les Sims puissent sortir de cette île-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai joué hors cam et j'ai réussi à maîtriser la compétence bien-être au maximum pour les deux. Ça m'a pris quand même du temps, mais j'ai joué hors cam. Et maintenant, notre Sims peut se téléporter. Regardez! Regardez comme c'est magique! Ok, est-ce qu'on peut prendre une photo de ça? Magique! Et là, elle... Oups! Elle se téléporte! Où est-ce que je l'ai envoyé? Ici! Donc, voilà ce que ça donne quand on se téléporte. Elle s'est téléportée. Donc, on va pouvoir se téléporter enfin hors de l'île et commencer à aller vivre notre vie. Donc, moi, je crois qu'on devrait le faire à l'instant. Alors, téléporte-toi ici. Téléporte-toi ici. Comme ça. Allez. Excellent. Alors, les deux se retrouvent enfin hors de l'île. Ils peuvent aller vivre leur vie. Alors, on va... Ok, c'est quoi ça? On va se retrouver sur un nouveau terrain où est-ce que les Sims vont se téléporter. Je sais pas encore, nos Sims ne savent pas trop, là ils expérimentent, mais là ils voient l'île et ils disent « Oh my God, j'ai réussi à sortir de l'île, je suis tout à la terre. » Alors, les deux, ils vont visualiser l'île et ils vont se téléporter hors de cette île. Alors, on se retrouve sur un nouveau terrain. Ok, alors, comme vous voyez, nos Sims se sont téléportés à cet endroit. Vous pouvez le voir, on est à Windenburg, mais nos Sims sont comme, oh my God, où est-ce qu'on est? On s'est trompé, on n'est pas du tout où est-ce qu'on habitait avant. Ils ne connaissent aucune personne dans ce village et ils sont encore des adolescents, évidemment. Alors là, ils sont comme, ok. Donc, comme ici, vous voyez, le compte en banque, nous avions 10 000 simoufs, ben environ 9 000, mais je l'ai arrondi à 10 000, pour se bâtir une petite maison qu'on va construire à l'instant. Je vais le construire avec vous. Alors, la vidéo aujourd'hui va être principalement construire une maison et s'adapter à cette ville. Donc, on va faire ça comme ça. Là, nous, on veut des petits murs. Comme ça. Disons comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est quand même assez bien. Maintenant, on va mettre... Non. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre... Ok, non. Attendez un petit peu. Je vais mettre un escalier juste ici. De même. Non, pas comme ça, je t'ai dit.
Bon. Voilà. On a un petit. Voilà, une petite structure. On pourrait mettre un escalier comme ça. Ce qui fait très beau. Ensuite, c'est sûr, il faut de l'espace pour un lit. À moins que non, on va pas faire deux étages. On va enlever ça. Bon, c'est sûr qu'il nous faut un lit et une cuisine. Alors, on va prendre ça ici. Ensuite, il nous faut. Peut-être que si on met le frigidaire noir. 675, 375. Peut-être que si on prend celui-là. Comme ça. Ensuite, combien que c'est? 230, 150. C'est sûr qu'on va prendre lui. On pourrait prendre le noir. Comme ça. Ensuite, on peut rentrer. Il faut s'assurer de pouvoir rentrer dans cette cuisine. Voyons. Comme ça. Ensuite, il va avoir ça de même. Comme ça. Est-ce qu'on peut avoir. Ok. Sûr qu'on pourrait la mettre ici. Comme ça. En fait, on pourrait mettre ça comme ça. Plus comme ça. On va mettre ça comme ça. Plus comme ça. Ensuite, un petit salon. Voilà, qui va donner place à la chambre. Je crois que c'est. Et voilà, comme ça. Puis là, on pourrait prendre le toit. Voilà. Ça. Rien de bien compliqué. Voilà. Et on peut prendre une porte. Évidemment. Non. Ok. Bon, évidemment que ça veut pas plus de rien. Voilà. Et on peut mettre quelques petites fenêtres. Évidemment, comme ça. On va mettre une ici, puis une ici. Comme ça. Est-ce qu'on est capable d'en mettre une pour la cuisine?
Voilà. Excellent. Ensuite, on peut prendre ça ici. Préfère une maison en... Non. Comme ça, c'est bien. Voilà. Je sais que c'est pas très beau en ce moment, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas tarder à être très joli. Et deux. Ok, pour la chambre, on préfère une chambre comme ça. Pour la pièce, on peut mettre ça de même. Mais là, ici. Plus de main. Voilà. Et pour la salle de bain, pareil. Avec peut-être combien c'est? 4$. 4. Ça c'est 4 aussi. On peut le mettre brun. Plus ça nous prend des éclairages. Éclairage. Combien ça coûte? 40. 70. Alors, peut-être qu'on peut prendre celui-ci. On peut mettre un de même. Puis on peut mettre ça, mettons, de même. Comme ça. Voilà. Et dans la chambre, on peut mettre ce lieu. Ok. Excellent. Peut-être que lui, on pourrait mettre plus. Non. 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 Peut-être plus rouge comme ça. Ok. Là. Ok. Pour le lit. Oups. Pour le lit, on prend un lit bien ordinaire. Éclairage, confort. Un lit bien ordinaire comme ça. Et voilà. Ensuite, pour l'espèce de salon, on pourrait mettre un canapé plus comme ça, à moins que on prenne celui-là, que ça se comme ça, comme ça. Que ça se fait faire ça comme ça? Il n'y a pas assez d'espace. Peut-être qu'on peut le mettre, voilà. Plus de même. Plus de même. Excellent. Pour la salle à dîner, c'est comme ça. Puis pour la salle de bain, on va construire évidemment notre propre truc. Alors, on va aller dans... Activité et compétences. Il faut acheter un petit truc à faire. Des. Où est-ce qu'il est l'établi? L'établi. Ici. Puis ça nous prend un chevalet également. Qu'on pourrait mettre. Pourquoi on peut pas mettre le chevalet comme ça?
demain. Excellent! Donc, allumé, éclairage automatique, tout l'éclairage. Ah, j'ai oublié. On va quand même mettre de la peinture de terrain. De même. Et voilà. Puis on peut prendre la belle boîte aux lettres comme ça. X comme ça. Bon. OK. Alors, on va juste... Toi, tu pourrais aller fabriquer un meuble. Tu pourrais aller fabriquer une toilette. Toi, tu pourrais aller manger. Va manger. OK. Excellent. Ouais, c'est ça. Oh, il sent pas très bon. Macron, est-ce que tu... Excellent. Va pas en cours. Puis là, tu peux aller faire une toile abstraite. Toi non plus, va pas en cours. OK. Ensuite, oh, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. C'est vrai, j'ai pas regardé dans l'inventaire qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ah, on a des plantes ici. Ah, on a quand même une table ici. Comme ça. Excellent. Ok, on peut vendre la... Ça vaut 315, puis elle vaut combien? Ok, on va vendre la table ici. Puis là, t'as quand même 12 chaises. Excellent. 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 Qui t'as quand même deux trucs excellents. Et on va vendre toutes les autres chaises pour se faire de l'argent. Et on a une belle toilette juste ici. Voyons. Excellent. Qu'on peut changer la couleur. Non, tu peux pas changer la couleur. Tu peux pas changer la couleur non plus de ça. D'accord. OK. Tu pourrais aller fabriquer un meuble, une baignoire. Voilà. Comme ça. On a quand même une table de plus. Puis, qu'est-ce que tu fais? OK. Ensuite, là, tu vas pouvoir aller manger parce que tu as faim. Tu vas prendre un petit déjeuner, des œufs brouillés. Toi, tu as fait une belle toile. Tu peux aller vendre. Ensuite, tu pourras aller à la salle de bain. OK. Mode de construction. T'as une belle baignoire ici. Puis est-ce que tu peux... Non, tu peux pas modifier la couleur. Peut-être que... On peut modifier la couleur par contre. Ici. Plus... Comme ça. Là, peut-être qu'on peut prendre tout ça, puis mettre plus vert de même, comme ça.
Puis dans la salle de bain, on peut mettre peut-être c'est un beau verre comme ça. Puis on a besoin d'un lavabo, évidemment. On va le mettre ici. Ensuite, je vais mettre un truc en incendie. Puis, dans la salle de bain, un bel évier brun. Voilà. Comme ça. Excellent! Tu peux aller faire une autre toile. Va faire une... Va reprendre les œufs. Non, pas toi. Pourquoi tu manges pas? Va faire une brouillade. Va prendre une portion. Ok, non, prends pas de portion. Prends pas de portion. Va reprendre tes œufs. Puis là, juste jeter ça. Voilà. Ok. Voilà. Alors, j'espère que vous aimez la nouvelle maison parce que moi, j'adore la nouvelle maison. Ok, t'as déjà des factures à payer? Puis c'est combien les factures? What the? Pourquoi 9000 de factures? Ok, c'est bizarre. On va juste payer les factures de 9000. Ça doit être à cause de l'île. Fait qu'on va juste faire un cheat code de même, là. Parce que c'est vraiment bizarre. On va juste payer ça, là. On va payer les factures. Ok, bon. Excellent. Va. Je comprends pas pourquoi il y avait ça, là. C'est rendu bizarre. Ok. 276. Est-ce que tu es capable de construire un guéridon, toi? Non, tu peux pas. Tu pourrais faire un autre tableau. À moins que... Est-ce que c'est possible de... Peut-être qu'on peut aller faire connaissance. C'est qui, toi? Alexandre Sanchez. Tiens, va te présenter, tiens. Alexandre Sanchez. J'ai aucune idée c'est qui. Ah, on a un autre Sims ici, c'est qui? Gabriel Chevalier. Tu pourrais l'appeler, tiens. Je dois y aller, c'était sympa. À plus. Wow! On va faire une présentation amicale. Wow! Ben, vas-y. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu prends ton bain. Ça, c'est excellent. Ensuite, tu pourras aller utiliser. De même. Puis, tu pourrais aller fabriquer un meuble. Va fabriquer un... guéridon. Puis tu peux-tu fabriquer baignoire, toilette, tabouret de bord, salle de manger. Ok, non. Excellent. Donc, tu fabriques ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles à qui? Marc Roux. Il y a une fille ici, c'est qui? Alice Roux, Léa Rousseau, Laurent Girard, Julien Chevalier, Marc Morel, Stéphane Guérin. Il a l'air de
pas avoir d'adolescente ici. Ben, on va vendre. Je sais pas qui a fait ça, mais on va le vendre. Parce que ça nous fait de l'argent. OK. Va à la maison. Ensuite, tu peux faire une toile abstraite encore. OK. 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 Bon. On peut mettre le guéridon juste ici. Et on peut mettre une télé. Voilà. De même. On peut mettre celle-là. Et voilà. Bon, fait que là, tu peux aller, faire du zapping. Comme ça. Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu divertis et tu parles. Puis toi ici, tu commences à avoir faim. En tout cas, moi je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez aimé ça, cet épisode-là. Moi je suis super contente. Ils se sont enfin débarrassés de l'île. Et je vous garantis, je vais sûrement faire une suite au challenge. T'sais, ça va pas s'arrêter là. Je sais pas encore, j'ai pas encore le concept dans ma tête et tout, mais je crois continuer leur vie. Peut-être je vais continuer leur vie dans un nouveau challenge que je vais faire ou que je vais regarder ça peut-être si ça pourrait être la suite d'un challenge. En tout cas, tout ce que je pouvais vous dire, c'est que je ne crois pas qu'on va cesser de jouer avec cette super famille qui font Miley et William. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!